sac bandit qui voulait imposer loi dans tout pays a gè gros souci pour en qui manière yo ka met yon bout à situation terrible côté population pa konn ki sè pou yo rele tellement malfra a viré bilio. Jodi a même nous déclenchons une opération officiellement qui porte nom tornade 1. Lundi 13 février 2023. Bienvenue, bonjour, bonsoir tout le monde. Vous connectez réseau information. Nous c'est Sofia TV 83. Jean Otemand de la police dans la Tibonite, précisément dans Gonaïve, t'a demandé matériel pour camper en face bandio. Et je dis à la plusieurs matériels qui ont débarqué dans la ville après installation nouveau directeur dans tête commissariat la Tibonite qui déjà prend disposition. Pour le marché sous sa vient et puis prendre contrôle tout bandit, pourquoi pas venger l'un mort 6 policiers qui étaient tombés. Plusieurs monde kidnappés dans l'église baptiste de Port-au-Prince, nous apprennent, c'est jour pour date, pratiquement après un an, ils ont levé 3 monde et parmi eux, ils ont une famille qui gagnait madame ak mouché. La police a annoncé tout dans la bataille à mener pour finir à causer bandit, ils ont arrêté, ils ont présumé kidnappés qui gagnait pratiquement non mais dans 10 enlèvements qui fait dans la zone métropolitaine. Opération Tornade la a poursuivre dans la zone Pernier à Torsel. Il faut studio a continué de traquer journée coup la nuit. Chef gang vite l'homme qui fait un pile parler de lui et à tout alcoolique qui impliqué dans divers actes de coup assassinat, policier, enlèvement, vol, acte, viol, marchandise pour dernier temps. Mais pour l'instant, qui t'aime annoncé, bandit fouillé plusieurs gros tours dans la rivière grise, ça qui empêchait blindé avec véhicule la police arrive. Mais la police pas baissé bras, y a continué marcher pour arriver joindre quel que soit côté bandit ta caché. La police compte sous collaboration population pour aider identifier côté bandit courir al caché et puis mettre yo en barcode. Jean la loi prévoit yo. Nous jodi lundi 13 février, mesdames messieurs, c'est tout point ça yo. A campé l'autre encore qui va le faire essentiel dans le journal là. Songez à abonner ensemble avec nous pour qu'on fait ça et nous déterminer chaque jour pour continuer informer en temps réel sur des situations politiques là et évolution la police dans bataille la mener contre gang yo, spécialement à vite l'homme qui fait en pile actualité dans dernière semaine ça yo. Les examens fait sans poulet, météorel, la caille diverses familles dans zone Cara 2, samedi qui était exactement 11 février 2023. Mais n'apprendre que nèg exam individu avec un gros âme nan mayo va y zone 4 à 2 l'ouvre coup de balle sous dit un groupe monde qui était campé et parmi alors dans groupe monde ça te gagne divers chauffeurs moto et qui la cause pour petit gagne 5 monde qui mourir plusieurs autres qui est sorti blessé d'après constat yo mais gagne en pile chauffeur moto qui a suivi trajet 4 à 2 tabar qui est victime dans 4 attaques là mais pour qu'il y a un habitant dans moment qui était samedi 11 février dans moment action ça a été Juin, ça a été créé en pile vent panique à la caille divers citoyens qui ont même pas de connaître ça pour faire après les examens sous machine de coubal sur et puis aller rapide et la cause en pile monde mourir. Je dis à chauffeur moto à chauffeur camion eux même victime dans quatre attaques si la petite la vie et plusieurs autres sortis et blessés. Mais l'affaire qu'on n'est pas la première fois un difficile à faire dans zone Gérald Bataille dans zone Clessine et donc ça c'est une énième zac en diffusiade. Nèg exam levé coup balle sous moun dans zone Sila et en pile côté tout n'a rappelé pendant semaine dans l'an songe semaine passée là dans zone bon place Boyer nèg exam levé coup balle sous plusieurs moun et ça quitté la cause gayon deux mois qui était basé la ville que notre situation ça les vins très répétés chaque jour qui a passé dans diverses localités dans diverses communes en deux pays d'Haïti. On a toujours été avec question phénomène insécurité hier dimanche là gayon trois fidèles l'église première église baptiste de Port-au-Prince qui kidnappé trois fidèles à la première église baptiste Port-au-Prince qui dans rue de la Réunion kidnappé hier dimanche 12 février 2023 c'est un couple avec yon l'autre monde d'après témoignage jeune fidèle assemblée si là yon ka kidnapping collectif enregistré hier dimanche dans cette ville Port-au-Prince capitale pays d'Haïti au moins trois fidèles première église baptiste Port-au-Prince qui dans rue de la Réunion kidnappé sénégal exam qui kidnappé yo. Mais parmi victimes, yo gagne un couple ak yon lòt moun ki a fréquenté espace prière ça selon une fidèle yo kidnappé yo a été passé à l'action bon 10 heures du matin
pendant victime nan t'est trouvé yo nan pakine yo t'a pas préparé pour rentrer la caillou déjà dans mois de septembre 2021 un officier assemblé ça t'est assassiné pendant t'es en service li était trouvé devant barrière principale institution ecclésiastique là malgré un examen t'est fin assassiné yo t'est porté aller avec madame ni yo t'est kidnappé madame ni dans même jour ainsi là. Opération contre question kidnapping dans pays, l'opération ça qui CCE DCPJ ont entité dans DCPJ mène opération ça qui devient si pas BRI qui ont certain de Alexandre Atazar monsieur la police arrêté le samedi qui était 11 février dans zone Delma 32 Alexandre Atazar monsieur t'a cherché le coucher fou tant côté sec qui besoin l'appli DCPJ t'a cherché monsieur là pour parce que les gain présumé implication dans divers cas kidnapping la police fait qu'on est monsieur impliqué dans 12 cas kidnapping qui fait dans région métropolitaine Port-au-Prince Alexandre Atazar monsieur impliqué dans 12 cas kidnapping qui fait dans région métropolitaine Port-au-Prince pendant arrestation Alexandre Atazar yo joine la ca monsieur plusieurs pièces identification côté jeune monsieur gain la ca li yon passeport haïtien sous nom Alexandre Atazar bah numéro de détails sous ça monsieur gon badge BSAP qui s'enek BSAP c'est pas nek protégé oui yo joine un badge BSAP la ca monsieur sous nom Alexandre Atazar yo bah détails sous numéro matricule monsieur qui bon n'a pas besoin ça mais il fait qu'on est pour qu'on y a là tout ça qu'il est Alexandre Atazalan monsieur non mais autorité policière dans DCPJ la répondre question sous plusieurs cas kidnapping que lui-même les impliqués Jean Odilan monsieur impliqué dans 12 cas kidnapping dans région métropolitaine Port-au-Prince n'a pas appelé monsieur Alexandre Atazar il a arrêté le samedi 11 février dans zone Delma 32 n'a toujours été question sécurité gagné Kimton lui qui c'est DG Centre National Équipement qui joint libération le samedi 8 jours après enlèvement qui a suivi séquestration samedi 4 février 2023 directeur général Centre National Équipement Kimton lui joint libération officier gouvernement et Ariel Rier et joint libération après te fin bail l'agent samedi 11 février Negaxam qui a fait la loi dans Torcel localité qui situe dans commune Tabar kidnappé samedi 4 février 2023 Kinton lui directeur général Centre National Équipement responsable CNEAT est victime kidnapping dans zone Meyotte dans commune Pétionville pendant le tap rentré la Cali Negaxam qui était séquestré l'été est sous menace exécution Negaxam lorsque tap serré dans lendemain c'est-à-dire dans lendemain dimanche 5 février pendant la police tap mené une opération dans zone Torcel surtout réseau social yo tout monde est capable tande DGCNA qui t'a demandé avec policier pour camper sous opération parce que monsieur t'est menacé puis t'est assassiné après 8 jours t'est passé dans fief gang crasé barrière les jeunes libération c'est l'agent libay proche libay pour t'est capable libérer n'a pas appelé un examen qui t'est kidnappé t'est exigé puis passer $300,000 américains pour t'est capable libérer si les bandits sous moto balle cap sorti sous le bord frontière pour aller jouer base à Grand Griffe que Luxon et la lui-même a dirigé. Monsieur ça qui décide de l'empêcher Mounio vivre dans la rivière la Tibonite, dans la zone ça vient dans Liancourt. La police nationale d'Haïti avec arrivé nouveau, dit le départemental de police la Tibonite dans Godson Jeune. Et bien nous apprenons là pendant le week-end la DDA, les mêmes points de DDA, c'est la direction départementale de police la Tibonite là, les recevoir là, ils ont un premier lot matériel et équipement, mais pour qui viser renforcer capacité la police dans le département la Tibonite pour mater question sécurité pour ma bataille contre gagnant la Tibonite commissaire divisionnaire Godson Jeune annoncé que matériel sera pral distribué par différents commissariats qui trouvent dans la région pour arriver couper action bandi dans le département la Tibonite la police qui déterminé dans la Tibonite à divers côtés dans le pays pour couper action bandi dans le département si là dans 10 départements géographiques pays d'Haïti
Laissez-moi dire nous déroulement opération Tonat 1 en fief chef gang vite l'homme. Opération Tonat 1 après possible dans zone Peignac 14 L. Côté force l'audio même continue à traquer la journée ou la nuit chef gang vite l'homme. Avec tout accolio qui impliqué dans diverses actes quoi assassinat policier, enlèvement, volé machine à camion machodise. Pour ne citer ça seulement, depuis week-end passé à la unité spécialisée qui impliquée dans opération Sayo, investi et fief chef gang vite l'homme côté joint plusieurs matériel. T'as coup machine avec ancien plaque la police yon utilisé pour kidnapper moun. Service technologie la police a détruit un drone malfrat individu sa yo yon utilisé pour yon gen contrôle mouvement la police a fait dans zone sa yo malgré un pile barricade yon mette sous route yo pour empêcher la police arriver sous yo. Agent l'autre yon déjà prend contrôle plusieurs espaces qui était en bas contrôle ban criminel sa yo qui connaît base vite l'homme les bases à craser barrière yon réfugié dans tête nan pour tirer sous police yo qui continue à progresser sous yo grâce à engagement et puis détermination de la police nationale d'Haïti. Dans la rivière grise, Abadio fouille gros trou pour piéger blindé avec machine la police qui engage yo. Dans aucune chaîne opération ça, la police a compté sous collaboration pour population pour aider à identifier côté Badia courir al caché pour continuer dénicher, pour continuer mettre mais n'a pas de cassave pour Andy et Badi et Sayo. Toujours question criminalité, zak insécurité, gagnant et confrère nous Jean-Tony Lorté avec frère Odin Lorté ensemble avec un proche Lyon Dame qui était ensemble avec eux qui t'après aller dans funérailles et dans samedi qui t'après le 4 février maintenant vendredi après-midi vers 5h de l'après-midi qui était 3 Jean-Tony Lorté dans délégation qui était gagné deux machines là-dedans et puis frère là et puis dame ça yo t'après aller dans funérailles en Belsé yo dans Cafou mais yo t'a évité où Matisse a passé par la boule mais bandi en l'air dans la boule kidnappé yo donc déjà plus passé une semaine que Jean-Tony Lorté avec frère et puis un proche qui n'a mère avisé yo. Yo clair sous ça que bandi yo même yo persuadé yo pas décidé libérer Jean-Tony Lorté avec un proche li Jean-Tony Lorté a cadre l'autre moun yo parmi yo yon frère toujours dans main gang yo malgré famille essayer parler avec bandi yo pas prend prière yo pas bail yo pas voulu même retirer yo goud hein 1 dollar pour me dire bien 1 dollar sur 200 000 dollars américains yo mandé qui donc qui ça qu'a le passé Jean te dit là la presse pas gain corps journaliste pas gain corps on dit profession enseignement pas gain corps Jean pile monde dit dans tout secteur ça yo qui donc en pile monde a posé question à NMH AMI AJH en pile association média qui journaliste et dans presse dans tout différents médias à travers journal méga matin différents émissions tout soir du méga a lancé cri ça a lancé appel ça pour exiger mandé avec ravisseur pour libérer Jean-Tony Lorté ensemble avec proche Lio parce que corporation presse et question enseignement en Haïti et pas gain l'argent ça puisque frère Odin Lorté a fait qu'on lycée Jean-Jacques à Dessalines la enseigné mathématiques à physique n'a pas rappelé que semaine passée là élève lycée Jean-Jacques avec professeur yo campé de travail y a exigé libération Jean-Tony Lorté ensemble avec frère Li Odin Lorté qui fait qu'on lycéen côté que j'enseigne physique avec mathématiques mais jusqu'à présent puis passer une semaine à quelques jours après, n'importe environ 10 à 9 jours, Lorté toujours dans mes ravisseurs dans la boule 12. Nous parler avec réaction, nous t'étais bas information ça sous ensemble matériel qui arrivait dans le département de la Tibonite. Gagné syndicat national policier ici qui félicite responsable PNH qui commence à vouer matériel dans la direction départementale police la Tibonite là. Sinapoua qui était visité policier la Tibonite semaine passée a rappelé matériel c'est principal revendication policier gilet, cartouche, casse, ça c'est quelque part mes matériels DDA recevoir d'après porte-parole Sinapoua, d'après une responsable Sinapoua, Lionel Lazare qui était dans le micro, Jean-Philippe Massé. Bon, en fait, nous connaissons que Sinapoua a été en visite que le fait dans le département la Tibonite, surtout dans Saint-Marc avec Gonaïve. Par rapport avec crise, nous connaissons que qui a traversé Bill policiers en dans commune ça. Tout de suite après la mort, 6 policiers dans la commune Niankou le 25 janvier qui sont passés là. Et bien, Sinapoua a été allé et Gonaïve avec Saint-Marc, côté que nous rencontrons les policiers, nous parlons ensemble avec eux, puisque ça c'est mission, nous, ça c'est job, nous, au niveau Sinapoua. Et bien, nous rencontrons les policiers, nous parlons ensemble avec eux, policiers,
et ben nous ensemble de cahiers de doléances ensemble de bail qu'il y a besoin qui permettre que yo efficace dans poursuivre efficace dans travail que yo gagne pour faire ces garanties population bon gens sécurité et bien tout de suite là nous t'est venu des recommandations que nous t'ai fait à direction générale la police surtout dans sa police au mandé comme moyen comme matériel et bien nous apprendre que gagne yon lot de matériel qui déjà rentrer au niveau département Latibonite puisque nous connaissons que jeudi qui sont passé là un nouveau directeur départemental qui est installé dans tête direction départementale police là qui c'est monsieur Goodson Jeune qui prend reine commandement la police là dans département Latibonite là. Et quelle décision qui prend là pour augmenter prime risque pour policiers yo qui n'a pris garde d'intervention dans commissariat yo avec unité spécialisée yo pour obéir yo les sorti 10 000 goudes pour passer à 15 000 goudes unité spécialisée yo les passer à 20 000 goudes après papa avoir le sinapoa qui croyait c'est un soulagement pour policiers si là yo syndicaliste là continue exiger augmentation salaire tout policier Jacques les mêmes l'a exigé ça depuis quelque temps en dedans sinapoa en côté Lionel Lazare. Avancer ça en fait c'est que auparavant faut que nous devons ça que prime nan, au niveau brigade d'intervention qui dans commissariat prime nan t'est varié entre 5000 à 7500 goud. Kounya la prime nan li vin passer à 15000 goud pour policiers qui dans brigade d'intervention qui à travers commissariat qui donc chaque mois c'est 15 000 gouttes. Bon comme nous connaissons que c'est chaque trois mois que yo baili on policier qui dans brigade d'intervention kounya là chaque yo bail prime dans chaque trois mois ou abjoigne près de 45 000 gouttes sous lui chaque là bin 45 000 gouttes puisque c'est trois mois que c'est chaque trois mois qui yo baili et plutôt pour unité spécialisée yo par exemple, nous connaissons que l'été vient varier à 15 000 gouttes. Ok, l'été dans 15 000 gouttes, nous avons vint passer à 20 000 gouttes. Nous avons ces 20 000 gouttes que nous avons un policier qui n'a une unité spécialisée qui gagne prime de risque chaque mois. Comme si chaque trois mois que vous baillez, l'offre vient venir que nous avons venu à 60 000 gouttes. Donc, c'est des avancées que nous, au niveau Sénapoa, que nous applaudis, et c'est pour ça que nous avons continué la bataille. Mais puisque nous connaissons que c'est pas tout policier qui gagne prime des risques là qui donc l'état bon jodi à là tout policier risqué est-ce que l'état pas l'entrer dans on démarche pour permettre que tout policier joigne prime que nous pas connaît mais nous même nous plus à bataille là côté que l'état a fait 3 mois 6 mois 7 mois que le pas bail police à prime des risques mais il pas qu'a fait 4 mois 5 mois 6 mois pas payer salaire que ou ta dû toucher chaque mois et ça fait que n'a demandé pour yo augmenter salaire policier li connaît que chèque li gagne chaque mois même les que pas tout policier qui n'a prime mais chèque li a chaque mois li connaît que un chèque qui raisonnable. Syndicat national policier haïtien a profité encourager direction générale policière pour payer le salaire policier qui était pas grade yo gage qui prend grade depuis 3 années qui pas jamais qu'a touché nouveau salaire yo en côté l'autre fois Lionel Lazare. Et ensuite tout n'a pas encouragé à direction générale la police là pour faire démarche pour garder comment on capable payer ensemble de policiers arriérés yo puisque gagne des policiers là gagne 4 ans gagne 3 ans gagne 5 ans qui prend grade qui prend promotion qui pas jamais capable toucher yo et ça sont signe de couragement que les policiers connaissent que li prend promotion jusqu'à présent gagne 4 ans gagne 5 ans les pas jamais capable toucher grade ça et arriérer ça que donc nous même au niveau Sénapoa n'a pas encouragé administration monsieur Francel Beac toute équipe li pour faire démarche dans moment ça yo pour permettre que policiers ça yo qui dans situation difficile ça capable toucher arriérer yo parce que li pas fait sens jodi à la pour nous prend grade ou gain 3 ou gain 4 ou gain 5 ans ou pas jamais toucher arriérer ça qui donc li pas fait sens c'est pour l'état c'est quoi école c'est pour directeur général la police avec toute équipe li yo fait pression sous l'état fait pression sous ministère économie et finance pour capable payer policier ça yo ailleurs salaire
Déclaration responsable Sinapoa, Lionel Lazare, lui-même, qui t'a parlé sur divers points dans la question. Ça qui est pour avec l'institution la police nationale d'Haïti. Un marche organisé pendant le week-end là, précisément samedi qui était 11 février, dans la localité Fontamara, dans mémoire qui était lui, un policier qui était tombé en baba à la bandit dans la localité Savien, dans la commune Silla, et précisément dans le département de la Tibonite. Citoyen dans la zone ça, ça lié mémoire, jeune garçon ça qui vers la ville pendant le tap servi pays. Je nous dis regrette même cadavre qui était lui au pas joindre pour ta faire un dernier hommage avec lui-même. Je souhaite autorité dans plus au niveau dans l'état qu'une responsabilité pour bail pays en sécurité et comme ça doit en coûter et quelques monde en font un marin à micro la presse. Oh l'état pays, merci l'état pays. Oh mon Dieu. Dans nos cadeaux, nous 2023, voter pour moi. Il faut s'acquitter les immunes, Oh mon garçon! Même au niveau de la troisième circonscription de Port-au-Prince, nous-mêmes, comme nous, Fontamara, montrer un haïtien et famille qui était lui, comment nous familiariser nous avec Kéter et comment Kéter c'était un monde qui était très spécial pour nous. Dans ce nom comme jeune garçon qui n'a jamais décidé de rentrer à l'école dans une louche, mais qui était toujours de travail au plus haut niveau, travail dans un niveau pour nous servir bien et sécuriser bien à vie tout le monde en dans le pays et en dans la population civile. Nous là, c'est avec un peu de désespoir, c'est avec un peu de la peine, c'est avec tout un peu de mécontentement. Et mais nous obligés de faire, malgré nous pas un corps qui était et l'autre policier qui mourit. Mais c'est une façon pour nous voir un signal tout. Bah, moun qui dit que c'est autorité, moun qui dit que c'est responsable dans le pays, pour nous dire, si je dis à pays, lui vient dans une situation côté que moun qui habilité pour sécuriser nous, moun qui a responsabilité pour veiller sur bien à vie. Population ou bien monde qui est dans la société civile là, c'est eux-mêmes, je ne veux dire qu'à victime. Nous avons toujours été sous question insécurité. Il y a un groupe citoyen en commune Boyne qui a appelé Vivoyo pour être capable de demander avec autorité dans l'État pour prendre des mesures pour accompagner les citoyens à cause du phénomène d'insécurité à Capta et Banda. D'après Joseph Michel, qui est une qui est parlé dans nos citoyens, ça y est. Le sorti 2017, rivière 2023, puis se passe une trentaine de monde qui est victime phénomène et sécurité, sans côté ça disparaître. En pile, un citoyen obligé de quitter commune pour établir un coyon cap haïtien. À cause situation ça, toute activité paralysée dans la commune, l'école n'a pas fonctionné, d'après Joseph Michel, qui fait qu'on ait un pile machin qui perd 10 machins, mais n'est pas examen qui a fait la loi dans la commune, en côté Joseph Michel. En forme de signatoire, mon député communal qui plonge une vive dans la commune Cap-Haïtien, il y a un village qui a construit, qui s'est construit au Cap là, qui était pour le Cap, et mon cadeau sous l'ouïe, et c'est presque monde qui a quitté le bois pour insécurité, qui vient acheter petit l'hôtel là, qui a fait une caille pour habiter, pour sauver pour eux. Kounia là, pas aucune activité qui fonctionnait l'autre bois, que ce soit business, tout business fermé. Tout le monde qui a fait business, bon, parce que gagné, monde qui machin, qui tente, tant pour pomago, monde qui te convient de marcher ça, qu'on y a ajouté, yo, par rapport, j'ai appris sonné, yo, moun ça, yo, pouet pas une marché encore, monde qui résiste, qui fait commerce l'autre bois, c'est monde qui peut regarder comment yo ka quitter, parce que, automatiquement, vous gardez vos mouns qui ont levé sur vous, vous faites, vous payez, vous rançons. Encore. Quand vous vivez avec une terre, un gros terre, mouns qui là, pas qu'à fonctionner par rapport. Même parler pour vous parler dans le téléphone, il y a contrôlé qui ça, à qui vous parlez. Ça, c'est déclaration Joseph Michel. On nous venait avec information ça à travers communiqué ça que ministère
Affaires étrangères mettait dehors. Ministère des Affaires étrangères fait tout le monde connaît que sous demande de la République d'Haïti, pour nous dire bien gouvernement, il y a un conseil permanent, organisation État américain OEA, qui a réalisé, côté à travers, on dit, conseil ça, à travers rencontre ça, il a adopté sans délai. Ben, à tout, alors, côté tout acteur qui est présent dans rencontre ça, il a adopté sans délai une résolution sous Haïti qui peut être non soutien renouvelé pour une assistance en matière sécurité et humanitaire pour élection inclusive, libre et élection inclusive, libre, on dit juste, crédible pour une transition démocratique dans le pays d'Haïti. Dans la même résolution, ça, Conseil permanent OEA, les mêmes, les décider pour le reconnaître que signature accord 21 décembre, pour d'accord reconnaître lui comme il est normalement un bon accord qui est 21 décembre 2022, qui peut être non consensus national pour une transition inclusive. À élection transparente, gouvernement haïtien qui est la tête li Ariel Henry ensemble de représentants dans le secteur économique, là, social et politique, pendant que OEA encouragé, alors pendant que le ministère à travers Texas lui dit que l'équipe OEA lui-même a encouragé sans dire inclusion, mais plus participation tout ensemble acteurs, partis politiques, partis prenantiaux, dans ensemble partis qui concernent eux, dans ensemble nous capables de dire solutions qui t'a de joindre pour au pays. Conseil permanent, les mêmes tout, les encourager, États membres, yo pour agir rapide au presto, pour bay en pile matériel, assistance, appui, avec effort pour déployer là, sans délai, autorité haïtienne, pour aider Haïti capable, les mêmes établir la paix, en d'appel, pour nous dire bien dirigeant dans l'État, yo, pour yo joindre moyen, pour joindre appui, pour joindre assistance, pour aider yo, mater, les affaires de sécurité qui gagnent dans le pays. Pendant que pouvoir lui-même, il peut accompagner là avec appui et que Galbay avec Haïti, conseil permanent décidé pour l'établir d'ici 22 février 2023, un groupe de travail qui pral chita exactement sous problème haïtien, qui pral faciliter au joindre bourade et pays membres ou états membres OEA yo et puis observateur permanent yo ensemble avec un secrétariat général là, enfin pour qu'il y ait une élection inclusive qui organise dans le pays, je ne dis déjà, yo dit là il y a possible pour dire que parce que quoi non élection libre, honnête, démocratique, inclusive qui peut organiser un pays. Ministre des Affaires étrangères, qui c'est Jean-Victor Généus, souligné dans l'intervention politique tout le monde en général que représentant ça, lui-même, il prend la parole pendant le débat ça, côté que pour adoption, résolution ça, qui lui-même que il a adopté à travers OEA ne raconte ça pour permettre que Haïti lui-même joigne bourade bon côté international là pour mater les affaires insécurité et permettre aux élections capables organiser je ne connais que sur élection établir sécurité en d'un pays c'est parmi deux dans cinq chantiers captain gouvernement Ariel Henry ensemble avec membre au conseil transition qui gagne la donne Miel Admaniga Laurent Cessier à Calix Fleuridor.